Interview Sandy Sachs, première. Alors salut, moi je suis Sandy Sachs, saxophoniste, musicien depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis né d'une famille, une grande famille de musiciens. J'ai baigné dans cet univers-là depuis tout petit. Mon premier souvenir musical, je dirais que c'était ma première audition au conservatoire. Je devais avoir 7-8 ans. La première fois, je pense que je me suis retrouvé tout seul face à un public. Toujours un moment important, surtout quand on est petit comme ça. Et vraiment, la musique, pour moi, c'est vraiment un langage à part entière. C'est un moyen de transmettre nos émotions, des choses qu'on n'arrive parfois pas à verbaliser. Et ça peut être de la joie, de la tristesse, plein de choses différentes. Je dis jamais que je vais au travail quand je pars en date ou quoi. Je dis toujours je vais jouer. Moi, c'est important cette différence-là. Ça reste avant tout une passion. Du coup, je pense qu'à partir du moment où tu es dans cet esprit-là, tu vois pas le temps qui passe, quoi. C'est que du kiff. Alors, je pense que la chose dont je suis le plus fier, ça a été la sortie de mon premier morceau. Ouais, je pense que pour n'importe quel artiste, en fait, de pouvoir partager sa propre musique, c'est vraiment un accomplissement et que du bonheur. Alors le conseil que je pourrais donner, et qui pour moi est un de mes fondamentaux aussi, c'est de faire les choses avec le cœur. De ne pas faire les choses pour faire comme un tel. Voilà. Faut pas se mentir à soi-même. Faire ce que tu as envie de faire et de suivre vraiment tes propres choix. Je suis vraiment ravi de faire partie de la famille Raymond Veil. Je porte beaucoup d'importance à la famille et ce qui m'a vraiment plus et ce rapport à la musique. Et voilà, toutes ces petites choses, et puis bah, forcément les produits qui m'ont plu aussi.